By the negative forces, he means the Rwandan Hutus. The women we met also accused the Interahamwe, the generic name for Hutu militias in Congo. It was impossible to meet any of them in South Kivu, so we went to Mannheim in Germany to meet with Inyash Muwanashiaka, a self-exiled official of the FDLR, the Democratic Liberation Forces of Rwanda, a group of approximately 8,000 combatants, notorious for its alleged human rights abuses. Souvent, il y a certaines exagérations. Si vous parlez à un activiste ou à des femmes à Bukavu, ils vont vous dire que voilà, les responsables de ces viols, ce sont d'abord les Hutus. Quand vous menez des discussions avec eux ou avec elles, souvent ils peuvent accepter qu'eux aussi, il y a des Fardessés qui violent. Hein? Mais avec vraiment des difficultés. Donc, on veut d'abord voir les criminels chez les étrangers, puis par après chez eux. Je ne peux pas dire que tous les éléments des FDLR sont des saints. Ça, je ne le dis pas. While we were filming, a violent earthquake hit Bukavu, claiming 6 lives and injuring hundreds. A ministerial delegation from Kinshasa, complete with the trappings of power, descended on Panzi Hospital in a show of solidarity for the victims of the earthquake. The victims of sexual violence, all decked up, also waited for the delegation. But they never came. We asked the visiting Minister of Interior what measures the government was going to take against sexual violence. Ce que je sais que dans notre culture, ça fait un bout de temps que je travaille, je n'ai jamais connu cela. C'est venu avec un certain moment quand il y a eu des troubles dans la région, donc c'est quelque chose qui est importé dans notre culture. C'est toute une reconversion des mentalités qu'il faut mettre en place. Il faut que le pouvoir, le gouvernement mettent tout en œuvre pour que les lois du pays puissent sévir et punir sévèrement toute personne qui se comporte de ces ordres. The UN Human Rights Office in Congo says 16,869 rape cases were registered in South Kivu in 2007. But only 304 cases have been taken to court. To date, 70 men have been sentenced to 10 years in prison. Je crois que c'est suite au dysfonctionnement de notre système judiciaire que les gens profitent de ce climat apparent d'impunité pour commettre tous les forfaits. Dans la majorité des cas, c'est rare qu'on arrive même jusqu'au procès. Parfois, les victimes sont intimidées, puisque les violeurs sont souvent les gens qui ont une certaine position de force. Soit ça peut être même des autorités ou ce sont des hommes armés qui viennent menacer la famille et disent « si vous osez porter plainte, cette fois-là, ça ne sera pas un viol, mais ça sera, on viendra vous tuer, par exemple. » Et là, ils ont peur et ils se taisent, ils se cachent. Wilhelmina Untakebuka heads a local NGO and regularly goes out to the villages to bring the women who suffer from fistulas to Panzi. She thinks that the problem lies with Congolese society at large. Moi, je pense que la femme au Congo elle est considérée comme un objet. La femme au Congo n'a pas de valeur. Et aussi, on sait que la base de la société, c'est la femme. Étant donné que ce sont les femmes qui produisent pour la survie de la famille. Et donc, si on doit détruire la femme qui est la base de la société, de la famille, à travers la femme, l'homme est complètement affaibli. Honorata now lives with three of her children in Bukavu. She hasn't seen her husband since she was kidnapped. She's not even sure he would take her back. Her life is a struggle, and she can't go back home for fear of reprisals from the militias. Ce sont des choses que je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait m'arriver dans la vie. Je savais que j'avais presque fini ma vie. J'avais mon mari, mes enfants et mes activités. J'avais presque tout planifié, mais maintenant, j'étais vraiment perdue. D'ailleurs, quand je suis rentrée, quand je suis arrivée ici à Bukavu, je ne voulais même pas voir quelqu'un. J'ai fouillé les gens, je m'enfermais, et vraiment, c'est terrible. Si pour le moment, je parviens maintenant
de parler, c'est parce que je vois que si tout le monde continue à 7 heures, le monde ne saura pas ce qui se passe. Que vraiment, les femmes souffrent. Tumeini will eventually go back to her village, but she's afraid she'll be kidnapped again. She finds solace in religion and says she wants to go back to school. At 17, after her traumatizing experience with men, marriage is not an option, ever. Si on dit viol, les gens ils s'imaginent ce qui se passe habituellement. Mais ce que ces femmes subissent, ce n'est pas, ça ne s'appelle. Moi, je pense que le mot ne convient pas. Terrorisme sexuel, je ne sais pas. Il faut trouver un mot, parce que ce qu'elles subissent, ce n'est pas vraiment. Le viol ne les traduit pas comme il faut. Vous avez trouvé le mot ?